Bonjour tout le monde, ici Dargaming et bienvenue pour une autre vidéo sur Cyberpunk 2077. Alors, on a fait le parcours nomade, le parcours gueule de rue et on va faire la corpo. J'avais envie de tester les trois parcours, ils sont vraiment stylés, donc sans plus tarder, c'est parti. Et oui, le perso, on s'attardera pas trop dessus, pour pas que la vidéo soit trop longue, on va y aller tout de suite. Par contre, ici, les points, ça va être important, attendez. Je vais essayer de choisir des points où que, quand on tire, qu'on avec des guns et tout, que ça dégomme plus. On fait plus de dégâts dans le fond. Attends. Augmente votre santé, augmente votre endurance. Augmente les dégâts que vous infligez avec les armes de corps à corps. Plus longtemps en tenant l'ennemi, ok. Intelligence, c'est quoi intelligence? Augmente la capacité de mémoire vive. Ok. Les réflexes. Augmente vos chances d'infliger un coup critique de 25. Ça, c'est tout au corps à corps ou pas non, avec des armes. Augmente les dégâts que vous infligez avec les lames. Augmente les chances de. Ok. Capacité technique. On va mettre des technologies. Sans froid. Augmente les dégâts critiques que vous infligez 2%. Augmente tout pour résistance. Augmente les dégâts vous infligez en état furtif. Réduit la vitesse. Ah, c'est, ça a l'air bien ça. 5, on va dire, peut-être un petit coup ici, un petit coup ici. Les réflexes, capacité technique, c'est pas. 2, allez, puis. Oh, on y va pour ça. On y va au pied. Confirmer, corpo, facile, réflexe, c'est bon, parfait. Bon, on va commencer la corpo. Je vous invite par ailleurs, tandis que ça va se lancer, d'aller voir la liste de lecture de Cyberpunk. On a quelques vidéos là-dessus, dans le fond, trois vidéos sur les trois parcours. On a vraiment eu du fun, donc j'espère que vous allez aimer. Bon, ça va se lancer. Allez, hop, hop, hop. Ok, c'est bon. À mon tour de jouer. Ah! Ok, ça commence là. Ok, c'est bon. Ok. Dégueulasse. Vedra. Ah, c'est nous, ça. Ouais. Ok, c'est un miroir. Ok, je l'ai pas dit. Ouais, je suis là. Tout va bien? Ouais. J'avais juste besoin d'un peu d'air. On aurait dit que tu vomissais tes tripes. Ah, waouh. Ouais, j'ai gerbé. C'est le stress. Vite. Ce boulot finira par avoir ta peau. Ok, tu peux parler, je suis pas encore mort, on nous a trahi. Je suis... Bon, on va y aller pour ça. T'inquiète, je suis pas encore mort. C'est ça, pas encore. Bon alors, qu'est-ce qui se passe? Y a un problème. Y a un problème? Faut faire attention, oui, quand vous choisissez des dialogues... Il y en a certains que. Faut pas trop m'appeler parce qu'il fallait intervenir. Il y a pas d'abord qui serait très simple pour siège le temps. City, d'autres, comme celle qu'on vient de faire, d'abord, ça serait très simple. Donc, faut put niaiser pour choisir. Jackie, quand tu bosses pour le contre-espionnage d'Arasaka, t'es toujours dans la merde. Ça a levé, faut que j'y aille. Ça a levé, t'en fais pas pour moi. Allez. T'en fais pas pour moi. Je vais gérer comme un grand. Voilà, soit le. On peut-tu bouger? C'est votre première fois qu'il c'est bon. Il dit c'est. Ah! Petite info comme ça pour ceux qui s'intéresseraient. Je joue avec la manette de Xbox. Mais quand c'est attiré de fight et tout, je prends la souris. Parce que regardez, on bouge beaucoup plus vite comparé au joystick. La souris, c'est waouh! Et puis, je suis habitué de jouer avec. La main gauche, quoi, je me déplace avec le joystick de gauche et la souris, ça me permet de tourner, quoi. Donc, une main sur la souris, une main sur la manette. Merde. Ah, c'est pour sauter. Oh, c'est qui ça? On tente de prendre notre temps, on va aller à l'objectif. De toute façon, vous avez la map. Ok, c'est bon. Oui, vous avez la map avec le petit tracé jaune. Wow! Le jeu est adorable. Il y a quoi là? Du bon
nouveauté dans quelques minutes. Ah oui, il faut que c'est prochain. Allez jusqu'au bureau. Ouais. Très tôt, Sambo s'est retrouvé à travailler dans l'entreprise fondée par son père. Mais malgré son jeune âge, il a vite montré qu'il avait... Putain, vous étiez censé être là il y a une heure. Un gestionnaire exceptionnel. Mais sa carrière... J'ai été retenu, mais j'arrive. Franck, fort de mes couilles. Je parie que cette salope d'Abernathy va nous coller ça sur le dos. Je raccroche. Je vous attends dans mon bureau. Et dépêchez-vous. À l'âge précoce de 23 ans, il avait déjà atteint le grade de lieutenant. Avec 20 victoires en vol à son actif, il restera pour toujours l'un des pilotes des de l'armée impériale. Militech a attaqué trois des nôtres. On est en train d'évacuer tous les autres locaux dans cette partie de l'Europe. Comment vont les trois victimes? Elles sont mortes. Ah, c'est pas bon. Tout le monde sera à l'abri, on fera une annonce dans les médias. Bah, pour dire quoi? Monsieur Jenkins a demandé à vous voir. Il est dans son bureau. Ça fait un bail. Ta gueule. Protocole d'urgence actif. Sécurité du système confirmée. Regarde ça, wow. On se parlera plus tard. Te retourne pas. Mais c'est lui, l'agent de Jenkins. Ah, c'est ici, ok. Veuillez entrer dans l'antichambre. Oh. Merde. Ok, c'est en train de nous... Autorisation de visite accordée. Est-ce que vous êtes connecté? Asseyez-vous, V, juste un instant. Je dois m'occuper de cette histoire de vote avant qu'on perde nos bases dans la mer des nuées. Ils vont bientôt commencer. Quelle est la situation? On regarde un peu autour de nous, c'est nice. Hmm. European Space Council. Mm-hmm. C'est ce qu'on pensait. Vous savez quoi faire. Allez-y. Putain, c'est quoi ce bordel? Wow. Directrice Abernathy. J'ai regardé le vote. C'était quoi ce bordel? Un nettoyage en profondeur. Pour ceux qui aimeraient savoir c'est quoi la base rapide, je vais le... Je nous ai débarrassé du problème. Je sais qu'il y en a qui ont regardé des cinématiques et tout, mais je vais seulement vous montrer la base rapide. Le problème. On aurait perdu le permis, je nous... Vous avez choisi la facilité comme d'habitude. Ça arrête de lire et ça saute tout de suite à l'autre dialogue. Nous allons en reparler, croyez-moi. Oh. Je hais cette pétasse. Je l'ai toujours détestée. Ça fait longtemps que vous travaillez à ça, c'est pas la première fois. Allez. C'est pas la première fois qu'Abernathy vous tend un piège. Non, en effet. Elle m'a discrédité auprès des dirigeants japonais pour qu'il lui confie le poste de directrice des opérations spéciales. Sale pute. Wow. Ok, on peut bouger. Maintenant, elle me menace pour être sûre que je ne tente rien. Je suis bloqué. Mais elle ne m'éliminera pas, elle a trop besoin de moi. Je fais ce qu'elle n'a pas le courage de faire. Cette connasse. Diviser pour mieux régner, une stratégie efficace. Pff, ah, la efficace. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Vous devez vous défendre, vous pouvez pas faire grand-chose. Vous devez vous défendre. Faire comprendre à Abernathy que vous êtes pas son paillasson. Vous avez raison. Frappez une fois, mais fort. Elle vous respectera. Sambo. On a l'air de voir les choses de la même façon. Wow. Prenez ça. Prends un éclat. C'est ce que j'ai collecté ces dernières semaines. Données biométriques, carte traumatim, nom de ses principaux collaborateurs, chauffeur, chef de la sécurité, sa maîtresse, le mari de sa maîtresse, tout y est. Wow. Exploitez ces infos et assurez-vous qu'Abernathy ne pose plus problème. Vous l'avez dit vous-même. Je dois me défendre. Et si je refuse, on prend un sacré risque. Allez, on y va pour ça. Si jamais quelqu'un apprend qu'on a parlé de ça, je plongerai avec vous. C'est vrai. Tout le monde sait que si vous en êtes là aujourd'hui, c'est grâce à moi. Alors personne ne croira à votre innocence. Ok, on n'avait pas le choix de prendre les deux. Et qu'est-ce qui se passera si je refuse? Ne posez pas de questions stupides. Je ne vous laisse pas le choix, V.
On se comprend à ce que je vois. Prenez ça aussi. Oh, du fric ! N'utilisez que cet argent. Choisissez bien vos associés. Personne en lien avec la corpo. Et pour la tâche principale, prenez quelqu'un de confiance. C'est clair ? Ouais, je crois que c'est clair. Bien. Dans ce cas, j'attendrai votre rapport. Bon, et c'est bonne chance. Mon avis attend dehors. Vous pouvez l'utiliser. Et ne me décevez pas. Jenkins, contre-espionnage de Night City. Putain. Allez, c'est bon, moi. Il me faut une analyse des bruits. J'ai les rapports que vous m'avez demandé. On peut pas se faire d'ici. Ah, on a Brain. Veuillez m'excuser pour le retard. Oh. Eh, V. Non. Jean-Marie. Quoi de neuf dans le nid de vipère? J'ai pas besoin de ton aide, ni de Biper, ça peut dire. J'ai besoin de ton aide, Jack. Pour un contrat. Avec toi, c'est toujours le boulot, OSC. Dis-moi, t'as des emmerdes? Pas encore. Mais j'ai besoin d'une personne de confiance. Ça ressemble à un oui. Retrouve-moi au Litzis, dans une heure. Ouvrir, ok, c'est beau. Ah! J'ai besoin de votre accord sur quelque chose. Il se pourrait qu'un de nos éléments ait été exposé. S'asseoir. Vous êtes pressé, c'est ça? Je comprends, pas de souci. Utiliser, s'élever, ouvrir la... on n'est pas ici pour rien, on va l'utiliser. Qu'est-ce qu'il faut foutre? L'étude des données fournies dans le rapport, que c'est beau. Je lirai pas ça parce que ça va peut-être être cher pour vous, mais vous pouvez mettre sur pause et puis le lire à votre guise. Wow. On peut-tu descendre? Ok, c'est bon, avec la mandat de la souris. Quatre. Nouvelle espace. Wow. Opération. Résultat, vos données biologiques présentes, ok. Bon. Bureau, chasse, c'est levé. Le tiroir, c'est quoi qu'il y a dans le tiroir? Oh shit. Utiliser booster cognitif, non, on n'a pas besoin, je penserai pas. Utiliser le... Ouais, écoute, on n'a pas bien le choix. Se lever. Ah, ça va, on va se lever. Bon, on fait quoi ici? Ok, on peut... Ok, c'est beau. Ok, on retourne. Se rendre au garage. Ok, c'est bon. Au garage. Pourquoi ils nous font faire un putain de détour alors qu'on était juste là, quoi? Les bases lunaires. Bref. Quand les gens sauront, tout le monde va vouloir notre... Allez, ouvre-toi, bordel. Ah, accès autorisé. On se fait scanner la gueule. Oh, les caisses, toi. Ah, ok, montez. Veuillez indiquer votre destination. Montrez-moi le Lizzy. Destination, le Lizzy's. Bien reçu. Prenez la verre. Allez, on va voir un petit coup. Wow! On peut-tu Ok, on peut... Ah! Oh, on peut... On a vraiment une belle vue de la ville.
mettre les infos. Attends, je vais attendre pour les infos. Quand même, explorer un petit peu. C'est magnifique. Wow, toi. Ah oui, t'es un fou que ça a dû prendre pour développer le jeu. Wow. Écoute, on va mettre des... Merde, j'ai accroché la souris. On va mettre les infos tout de suite. Vous écoutez N54 News et tout de suite, voici notre flash spécial. Ok, parce que qui apparaissait. Une conférence du Conseil spatial européen a brutalement pris fin, et cela suite à la défaillance d'un système de stabilisation neurale. L'arme. 5 membres du Conseil spatial européen sont morts, 3 autres sont toujours dans un état critique. La police cherche toujours à déterminer les causes de ce dramatique incident. Bonjour, membre du conseil et tous équipés d'un... Je croyais qu'on n'était pas censé se voir avant la fin de la semaine. Wow. Quantified Satori a été averti de données biométriques légèrement inquiétantes. J'ai préféré vous appeler. Est-ce que tout va bien? Oui, super bien. Regardez ce que vous l'avez dit, c'est un taux là-bas qui diminue. Ouais, tout va bien. Super bien. Rappelez-vous notre dernière séance. Les exercices de relaxation neuromotrice, 3 fois par jour, ça va vous apaiser et vous redonner le moral. C'est garanti. Bien sûr. On se reparle plus tard. Imaginez dans plusieurs centaines ou milliers d'années, c'est certain que les voitures à essence, d'après moi, ils vont disparaître. Ça, d'après moi, ça va être des trucs comme ça qui vont voler des taxis et tout. Waouh! On sera certainement pas là pour le voir, mais écoutez, on va profiter de ce qu'on a pour l'instant. Aucun espace dédié à l'atterrissage n'a été repéré dans la zone d'arrivée. Trouve n'importe quel endroit le plus près possible du bar. J'emmerde des procédures. Début de la séquence d'atterrissage basée sur ces nouveaux paramètres. Ah oui. C'est ça, Lizzie? Ah, ok, sortir. C'est quoi ton problème, corpo de merde? T'as cru que c'était un putain d'aéroport ici? T'as failli nous écraser. Putain de merde. Ok, non, on cherche pas les emmerdes, d'accord? Veux-tu lui un... Laissez-moi tranquille. Non, on peut pas. Ça sent les emmerdes. Je suis là pour affaire. Non, je veux pas d'emmerdes. Je suis là pour affaire. Ok, tant mieux. Bienvenue au Lidzies. La fois, Léo. Ah! Attends. Ok, faut descendre. Ok, j'allais pour dire, ouais. Ouvrir. Ok, c'est un bar. Faut aller retourner notre... Merde. Ah, elle est là, l'escalier, j'ai encore ça. Wow, c'est un jeu comme bord. Un sacré bord. Regardez ça. Oh. On va aller par là, le jeu. Viens pas ici souvent, hein. Ça fait plaisir de te voir, Essai. Assieds-toi et raconte à tonton Jack ce qui va pas. S'asseoir. Ça fait plaisir de te voir aussi, Jack. Quoi de neuf? Il y a de l'eau dans le gaz entre les Valentinos et le Maelstrom. Il y a du fric à se faire. Tant que je chope pas un très plat. Tu sais ce que c'est, je peux pas me plaindre. Mais t'es pas là pour que je te raconte ma vie. Je t'écoute, parle-moi de ton problème. Lui donner l'éclair, jette un œil, ça doit rester entre nous. Tiens,
Prends cet éclat. Ok, il est en train de voir ce qu'on a vu. T'en penses quoi? Ça va pas être donné. Il va falloir être discret. Pas de traces. Paiement en liquide. J'ai le cash. Il faut une équipe au complet. Un techie, peut-être deux. Un runner avec un cerveau de compète. Et un chauffeur avec un putain de bolide. Sans oublier le solo. C'est ça qui me manque. C'est pour ça que t'as besoin de moi? Tu veux que je flingue la fille? À ça, pouvoir compter sur toi, j'ai besoin de quelqu'un de confrère. Je pensais que je pouvais toujours compter sur toi, Jack. Tu me connais. Je suis pas un enfant de cœur, mais... ça, c'est pas mon genre de boulot. Et franchement, je pensais pas que c'était le tien non plus. Tu sais comment fonctionne Arasaka? Enfin non, ok. Peut-être pas... c'est pas une requête professionnelle que je peux refuser. Mais moi, si. Et je refuse. Et tu devrais faire pareil. Bon... si on se mettait une mine en parlant de tout et de rien. Gracias, mamita. Double tequila, grenadine et citron vert. Y a rien de mieux pour se calmer les nerfs. Lavez son verre à ça. Allez, vous faites pas ça. Non, mais c'est quoi ce toast? Ça veut dire quoi au juste? Trinque à ta maman, si tu veux, à ta hermana, à la mamacita que tu vas rencontrer au bar, mais. À ça? Ça veut rien dire, putain. À ça. Ce boulot et toutes ces conneries corpo. Bon. Tu veux savoir ce que c'est? Un l'action quand même. Un pacto con el diablo. Je te le dis depuis le début. T'as vendu ton âme à ces raclures d'Arasaka. Aujourd'hui, ils te demandent de buter quelqu'un. Demain, c'est toi qui seras dans le viseur. C'est comme ça que ça marche? Tu crois que j'ai le choix? Allez. C'est comme ça que ça marche, Jack. Pour arriver en haut, il faut se salir les mains. Ouais, sauf que c'est pas toi qui es en haut. C'est Saburo Arasaka. Et c'est grâce à des pommards comme toi qu'il y reste. Travailler pour soi, vivre pour soi. Y'a que ça de vrai. Là, apparemment, un jour peut-être. Mais pour l'instant, je suis à leur merci. Tu seras toujours à leur merci. Toujours. Hé, hey, vous êtes perdus? Y'a un problème? Fé, c'est bien vous? Je parle pas qu'on se connaît, vous. C'est Jenkins qui vous envoie? On se connaît pas. Vous, non. Mais nous, on vous connaît très bien. Jenkins vous a confié une tâche. Et vous avez intérêt à nous dire tout ce que vous savez. Vous êtes qui déjà? Ça vous regarde pas. Allez, on voit les vénères un petit peu. Excusez-moi, mais je crois pas, non. C'est uniquement entre Jenkins et moi. Ah! Putain! Quel effet ça fait? Sacrée descente! Votre accès au réseau de la compagnie a été révoqué. Tout votre matériel cybernétique corporatif cessera de fonctionner dans 2 minutes. Remettez-nous les données que Jenkins vous a confiées, et nous pourrons valider votre licenciement. Remettez tout à l'heure quand même... merde. Les informations sont sur l'éclat. Sage décision. Vous avez fini? Avec les formalités, oui. Mais je suis sûr qu'Abernathy nous filerait un petit extra si on la débarrassait d'une raclure comme vous. Debout, vous venez avec nous. Merde. Allez, plus vite que ça! Une minute. Je crois que vous avez oublié à quel point vous étiez loin de chez vous, ici. Vous faites un peu tâche dans le décor. Et il pourrait vous arriver des bricoles. Ça vous menace? Si vous tirez, peut-être qu'on fera pareil. Un très plat, ça peut arriver très vite. On a ce qu'on voulait. Ça suffit pour l'instant. Waouh! T'as avancé? Ouh! C'est pas passé loin. Banderos. Mais, ça va? Comment tu te sens? Pas bien. Vraiment pas bien. J'ai la gorge en feu. J'ai du mal à respirer.
comme quand mon poli Mito a arrêté la drogue. Frisson, mains qui tremblent, sueur froide et nausée. Ouais, c'est à peu près ça. Hey, hey, tu veux que je t'emmène chez un charcutoc? À moins que la traumatisme soit en route. Faut mieux qu'elle reprenne mon sang. Donne-moi une minute pour reprendre mes esprits. Je suis foutu, Jack. Ma vie vient de me glisser entre les doigts. Je dirais plutôt que tu l'as récupéré. Tu pouvais pas leur dire non. Alors ils l'ont fait à ta place. C'est mieux comme ça. Tu verras. Et puis, t'as pas tout perdu. Si, Jack, j'ai vraiment tout perdu. J'ai encore un pote, c'est ça? Tu vas me dire que j'ai encore un pote? Trop mignon. Mais non, Moudub. Il te reste toujours le cash pour la mission. Ça doit faire un beau petit pactole. Parfait pour prendre un nouveau départ. Et ouais, c'est... en selle. Hey, ah. Tu m'entends ou pas? T'as pas l'air en forme. Vé, oh. Et hermano, ta nouvelle vie... c'est maintenant. Ah oui, toi. La cinématique. C'est Stanley qui vous parle. Et c'est une nouvelle journée qui nous attend dans la cité des rêves. C'est la même... J'adore notre bonne ville. Je l'aime comme on peut aimer une mère qui vous a chiffré. Va un orphelinat. Et je crois qu'on va arriver directement... à la prochaine mission ou quelque chose comme ça. La fille qu'on cherche est quelque part dans ce bâtiment. Ça doit être le repère des Penderos qui l'ont kidnappé. Ah, ok, je crois que... ouvre grand les yeux et les oreilles, ok? Les trois, ça me fait penser. Si je fais parler deux secondes. Les trois parcours ont un prologue différent. Mais je crois qu'un coup le prologue passé, ça se ressemble un peu. C'est quand même pas mal pareil. Donc, c'est pour ça que ce qu'on voit là présentement, c'est ce qui s'est passé dans l'autre vidéo. Ben, de toute façon, on va quand même... j'ai un petit cadeau pour toi. ...le faire des fois que... un éclat d'entraînement de Militech. Les autres vidéos que j'ai si fait, jamais tu veux te remettre à niveau. Ça te dit un petit exercice de tir en VR? Dictachel, on va le passer. Pas maintenant, Jack. Pas le temps. Peut-être plus tard. La dictation, pour ta force, c'est juste pour nous apprendre à tirer et tout. Maniana. Maniana. Tirer qu'un éclat ou quoi, c'est pas quelque chose qui est dur, quoi. C'est parti. Donc, ouais, t'as seulement tiré sur des cibles et tout. L'ascenseur, par ici. Si c'est comme dans l'ancienne vidéo, pourquoi tu dis tout le temps dans l'ancienne vidéo? Si c'est dans l'autre vidéo, on va trouver une meuf, je crois, on va se battre avec les armes, ça c'est déjà ça. Et on va trouver une meuf, je crois, dans une baignoire, quelque chose comme ça. On va la récupérer, la sauver, bref. On va où? Dans la salle. Appartement. Ok, c'est bon. Wow. La cible s'appelle Sandra Dorset. Son biomoniteur a cessé d'émettre il y a quelques heures. Oui, c'est ça, oui, je crois. Impossible de savoir si la cible est en vie. Vous arrivez peut-être trop tard. Quelque ascenseur pour ouvrir, on va arriver à temps. On va se fight dans quelques instants. T'es peut-être que dans nos écouteurs, mais tu fais partie de l'escouade. L'escouade? Charmant. Écoute, ben si on se fight dans... Bug, dans la vidéo, tu pourrais au moins essayer d'être sympa. C'est toujours bon de la pratique. Sympa, réconfortante. Y a pas marqué ligne de l'amitié, là. Non. Bon. Trouvez le 1237. Ok, c'est son juste cette arme-là. La cible devrait être à l'intérieur, mais j'ai pas de visée sur son biomoniteur. Avec un peu de chance, on n'arrive pas trop tard. Oh, je déteste quand ça se joue sur fil. Maniez-vous. Full 4, en vrai. Essaie de pirater la porte. Est-ce que je peux compter sur toi, V? Raté.
putain. Bon. Fais pas de bruit. Je crois qu'il y a des... Y a pas des trucs à récupérer ici. C'est moi ou... Ben... Pourquoi j'ai ça? Non. On arrive trop tard. C'est elle. V, c'est notre cible. Examinez le corps de la femme. Sandra Dorsett dispose d'une immunité corpo d'échelon 2. Oh, c'est du gros poisson. Mais celle-là, elle est équipée de repros et ta tête de contrebande. Oui. Bon, c'est là qu'on va... Tiens-moi prêt. L'action, quand même. Mets des roses droitement. Quitte-le en silence, mais... Ah oui, toi, headshot. Bouffez ça, cabronnes. Plus de munitions. Allez, cabronnes. Bon, ça. Je vous attends. Des os. Faites le ménage, éliminez-les. Évitez d'exposer la cible au tir ennemi. Évitez surtout de prendre une balle dans le dos. Ouais, oh, merde, je vais y penser. C'est ça notre ami. C'est pour ça que... Je suis un but. Ah, je suis trop con. Moi, je pensais que c'était un ennemi et c'était... C'est pour ça que ça marchait pas, parce qu'on peut pas tirer sur notre... Oh oh. Allez où l'arme? Défoncez! Ça va chauffer! Je cherche... lui, on va le déposer ici. Il est censé pour pouvoir prendre... Fais-leur gicler le cerveau, V! Allez! C'est où? Il est supposé d'avoir un fusil à pompe au sol. Ah, c'est ça, oui. Équipé. On les a tous eu. Hein? T'es à fond, là! Que chingados estás esperando? Wow! Hé, hey, V, planque-toi! Est-ce que tu sais que je suis? Oh, c'est parti. Faites le tour! Merde. C'est chaud avec cette arme-là. On a le tête! Oh! Ouvrez-moi, charge! Merde! Oh! Il n'y a pas l'autre qui est... L'autre est dans mes rêves. Ben, regarde, putain. Ils ont des grenades. Ah, par contre, ça dégomme, c'est ça, l'autre est abusé. Oh, et range tes potas. Faites le tour. Concentre-toi. On va les avoir, V! Inutile de casser! Défoncez! Merde, attendez, on va... Faut que je recharge! On va crever la fanon, je crois. Je bouffe du plomb au petit déj! Wow! On va crever la fin, non? On perd du monde! Attrape ça! Merde. Ça, c'est allez, bande d'enculés! Envoyez la cavalerie! Notre gugus, il fait quoi qu'il fait? Ah, je crois que c'est bon. Non. Et bordel de Dieu, on va commencer. Charger le dernier point de contrôle. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Par contre, dans la vidéo précédente, on n'avait pas cette arme-là. On avait vraiment...
un fusil à pompe, c'était pas comme ça, du coup, je trouvais que ça tirait mieux. Si je vois que ça fonctionne pas, on va prendre notre pistolet. Mais le pistolet, lui, fait beaucoup moins de dégâts, donc... En tout cas, on va essayer de s'ajuster. Fais pas de bruit. Ah, c'est vrai, on l'a pas encore avancé. On arrive trop tard. C'est elle. V, c'est notre cible. Sandra Dorset dispose d'une immunité corpo d'échelon 2. C'est du gros poisson. Mais celle-là, elle est équipée de reprocer ta tête de contrebande. Clairement du boulot de seconde zone. C'est pas notre fille. On continue de chercher. Allez, On est là, merde. Ah, ok, c'est bon. Tiens-toi prêt. Bon, Ben Terre, on n'avait pas de piratage à faire. Quitte-le en silence, mais... À toi. Bouffez ça, cabou... On se fait faire, Nano. Wow. Ça grouille encore de désos. Faites le ménage, éliminez-les. Évitez d'exposer la cible au tir ennemi. Évitez surtout de prendre une balle dans le dos. Merde, ça. Ouais, je vais y penser. On me cherche, on me trouve, cabrones. Lui, je vais aller le foutre un petit peu plus loin. C'est juste parce que des fois, quand quelqu'un est sur l'arme, on peut pas récupérer l'arme, donc... Pauvre. Et où fais leur gicler le cerveau, V. Allez. On n'a pas le choix de continuer avec la... Le... C'est parti! J'arrive dans une... Enculé. Et range des putains! Vous avez vu? Je t'ai plombé! T'es blessé! Ah, c'est trop chaud avec... Attendez! Le pistolet de merde. Oh là, j'ai oublié d'ajouter la sensibilité de la chose. Mais arrêtez de t'éponner! On sent la foire à la couille. Allez, il est devant moi. Liquide douce! Défoncé! Oh. Joli! Eh V, planque-toi! Faut que je recharge! Je vais venir, t'es придурки! Arrête quand même! Потому что нельзя подставляться! Il est sur la défensive! Butez-le! Вот так! Merde. C'est quoi ça? Сразу обоссался! Merde, non. Je bouffe du plomb, petit déj! Contenu. Malice! Venez d'acheter! Ok. Je crois que c'est bon. Non, c'est bon. Hein? Ok, ça va nous aider. On a pris un truc pour se redonner un peu de pêche. J'ai vraiment tiré! On se répète. Mais pas de quartier. Ah oui, notre Gugus, ça va mettre la merde. Mais range tes putains. Je dirais que c'est fait pour que... On soit des seuls à faire des dégâts, quoi. Ok, on peut te prendre des trucs à terre. Oh. Attends. Quand on me cherche, on... Bouffez ça, cabrones! Attends. Ah, oui, non, c'est... C'est ce fusil à pompe-là que je parlais. Pomme. Il dégomme. Chick, on est coincé! Bug, toi qui vois ce qui se passe dans ce merdier, t'as une idée?
Il est dans une pièce qui donne sur le balcon. La fenêtre sur la gauche. Deux secondes, je vais sauter la serrure. Fais leur gicler, cerveau! Mano, attire son attention. Je me charge du reste. Je viens de finir de pirater la porte. Soyez prudents. Est-ce que tu sais que je suis? Je vois pas, putain. Eh, hey, B, planque-toi! Tire, B! Ah, je la vois. Ok. Les capteurs détectent aucun mouvement. Vous l'avez eu, on dirait. Vous pouvez continuer. Merde, elle est où, notre cible? Cherchez partout, elle est forcément quelque part. Ouah. Non, non, c'est pas ça que... Wow. Un pirate. Non, pas besoin d'un pirateur. Putain de bordel de merde. Inspectez le corps. Allez là, notre cible. C'est ce que je vous disais, c'est cette femme qu'on doit récupérer. Ça y est, je crois que j'ai trouvé notre cible. On arrive à temps? Elle est vivante? On va vite le savoir. V, connecte-toi à son biomoniteur, je vais évaluer la situation. Consultez biomoniteur. Je me connecte. Ah oui, c'est chaud ce truc. Sandra Dorset, NC570442, Trauma Team Platine. Platine? Merde. La trauma aurait dû débarquer avant qu'elle ait le temps d'éternuer. Ils ont dû brouiller le signal du transmetteur. Ça doit être un piratage de biomoniteur, une reconfiguration de micro-logiciel ou un neurovirus. Carraro, T-Bug. Il y a juste des baignoires, de la glace et du matos de boucher ici. La tech peut pas être complexe. Ok. Du boulot de bouffeur de scope, donc. J'ai une idée. Regarde son neuroport. Si tu vois un éclat, retire-le. C'est ça qui doit bloquer le biomoniteur. Retirer l'éclat, ok. Ouais, il y a un éclat. Je le retire. Regarde son biomoniteur. Ça change quelque chose? Bonjour Sandra. Si vous êtes consciente, mettez-vous en position latérale de sécurité. Une équipe d'évacuation d'urgence est en route. Elle sera sur place pour la prise en charge dans 180 secondes. La trauma sera là dans 3 minutes, d'après le biomoniteur. Votre régime premium couvrira 90% des coûts estimés du sauvetage et du traitement. Pobrecita. Faut la sortir de la glace. La soulever. Il faut que tu me couvres. Non, on va la soulever, écoute. On n'a pas le choix. Oh merde! Elle fait un trépas! V, dis-moi ce qui se passe. Jackie, Eripo! Merde, ça craint! Attrape, essaie! Je crois. Putain, ça a marché! Fuera, cabron! Emmène-la dehors! Fuera, cabron! Ah, c'est stylé l'espagnol! Enfin, je crois que c'est de l'espagnol. Voilà, sors-la d'ici, la terrasse. Oui, c'est ça, oui. L'équipe va arriver de là. Attends la trauma. Ok. Ouais, c'est sorti. Atterrissage, dégagé. Lancement du protocole de sécurité. Suivez les instructions. Déposez la patiente au sol. Et on fait quoi pour la... Ok. 5 pas en arrière. Allez. Et 5 pas en arrière, mais regardez quand on s'avance. TT-133 à contrôle. Patient, administration des stimulants suivants. 70 mg de dopamine, 110 de noradrénaline, 800 de fibrinogène. J'aurais dû obéir. Viens. Non. La merde. J'ai voulu voir si on voyait l'avion s'en aller, mais j'ai tombé en bas. Oh merde. C'est où qu'on va recommencer? Oh shit. La douille que j'ai fait. Wow.
Je sais pas c'est où qu'on va recommencer, par exemple. Allez, 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 ça charge pas encore. Ok, c'est bon, ça s'en vient. Oh, c'est long. Allez, bordel de Dieu. Ah, c'est là, on est là. Oui, putain. Wow. C'est... wow. On est contre... Je crois qu'on va s'arrêter ici parce que là, ils vont nous demander de retourner à notre appartement et puis il se passait rien de spécial. De toute façon, vous avez vu ce qui se passait quand on a débarqué notre collègue dans l'autre vidéo. Bon, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo sur ce jeu, dites-moi là, ça me fait vraiment plaisir de continuer. Et moi, je vous dis à la prochaine.